Ça bougera moins. Alors maintenant, je vais prendre mes petites choses que j'ai préparées. Si je viens mettre un petit truc ici, ça viendrait par là. Alors ça, c'est un die cut tout entier que j'ai récupéré. Là, il faut que je mette des étiquettes en dessous. Donc imaginons que je mets... Alors vous inquiétez pas de ce qu'il y a en dessous que vous avez tamponné et que finalement peut-être ce ne se verra plus. Ça, c'est pas grave du tout. Alors, je vais coller le petit morceau, mince, vous voyez pas, là. C'est la suite de ma petite étiquette qui est en bas, je vais venir le mettre ici, sur le côté. Voilà. Je vais enlever ça. Ça va nous donner pour le moment ceci. Alors, finalement, j'ai trouvé ceci. Que je vais mettre ici en bas et je vais venir mettre un petit sentiment avec un fond noir écriture blanche qui dit souvenir. Bon, voilà. Donc je vais le coller sous mon étiquette ici. C'est de la mettre droite quand même. Voilà. Et ça, c'est le petit mot que j'ai tamponné, souvenir, tout petit, que je vais coller directement dessus. Je ne vais pas le mettre en 3D parce que j'ai un gros 3D à côté. Qui va venir ici. Je vais m'aligner un petit peu. Là. Alors ici, j'ai mis ma phrase, une journée bien remplie. Là, par contre, je l'ai collé en 3D. Donc ici mon petit fanion avec souvenir, voilà.
Bon, bah, je crois que là, je vais pas mettre autre chose. Hein. J'ai rangé celui-là parce que... Voilà. Je vais faire maintenant des petites taches blanches et mettre des petites dots dessus. Et je crois qu'après, on aura terminé. Alors, pour faire les taches blanches, on va prendre du gesso. Un petit peu, très peu. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Avec ça, un peu d'eau. Plus de place. Et un petit... Oh là là. Un petit pinceau. Voilà. Alors, moi, je prends un petit pinceau éventail, mais vous prenez ce que vous voulez. N'importe quel pinceau fera l'affaire. Par contre, il va falloir que je cache... ce que j'ai fait là, voilà, pour pas salir. Alors moi j'aime bien venir avec un truc un peu dur, ça permet de mieux, voilà, quelques taches ici, j'en voudrais bien un petit peu ici aussi. Elles sont hyper fines hein, en prenant ce pinceau, c'est vrai que, et un petit peu en bas. Vous pouvez faire aussi des taches noires, des taches de la couleur que vous voulez, de toute façon, avec les acryliques. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. On y voit un petit peu en bas. Voilà. Donc, on va mettre des petits dots et je vais mettre du nouveau blanc. Celui-là. Alors, c'est un... C'est un quoi, ça? Crystal Drop Simply White. Donc, un blanc. Je vais... Hop là, un petit peu. Je vais retourner ceci. Je vais en mettre un bout ici. Un autre ici. Et un petit, hop là, ici. J'aime bien faire ça, ça les étale un petit peu. Voilà, et je mettrai bien encore un petit coup là, moi. J'ai peur que ça fasse trop après. Je vais peut-être rester comme ça. Ouais, on va rester là. 3, c'est bien. Voilà. Toc. C'est rangé. Donc ça, c'est les couleurs que j'avais utilisées pour mon chat et ce que j'avais sorti, en fait, pour son nœud papillon et pour son pelage. Voilà. Ça, on range. Non, ça ne va pas au même endroit. Ouais, je rangerai après. Je vais juste vous montrer, une fois terminé. Je vais essayer de m'approcher un petit peu. Voilà. De toute façon, je vous ferai une photo que je mettrai à la fin. Voilà, et bien c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce petit tag en mix media art journal, on va dire, à l'acrylique en tout cas, avec des superpositions. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'en faire aussi. Voilà, gros bisous, à bientôt.